Ah mais là la différence c'est Darius Ghost mais j'ai Phase Rush donc si je veux vraiment y échapper je l'échappe là. Le fait qu'il est Ghost ça veut dire qu'il a pas de TP. S'il meurt une fois c'est fini. S'il meurt une fois c'est fini ouais. Ah s'il back une fois aussi. On le laisse prendre les push. Je pense que tu contestes pas dans mes premières waves. Vas-y. Ah bon ma wave elle se push un peu là. Ouais elle se push. Bah, ok c'est bon. Que le jouer... Non non mais j'ai plus besoin de jouer là. J'ai mis un petit Q. Ouh. Je vois couche TP. Je pense que tu wall. Faire un historical call sur Darius, c'est vraiment illégal. C'est... Je n'ai pas les mots. Et il a peut-être compris qu'on va jamais se voir, hein. Ah, peut-être. Imagine Darius sur la même strat. Ouais, je pense. Ça devient profitable de pas jouer sa lane à Darius. En vrai, cette wave, tu push. Et je pense que tu peux essayer d'aller derrière. Je... Est-ce que je truc de canon? Oui, oui, oui. C'est le moment où tu vas full push. Et justement, c'est une wave canon, donc c'est très bien. Push en premier. Mort non. Les saucisses ouais. Je savais pas comment jouer ça, genre no joke. Genre si tu l'avais E et que t'avais E la wave en bah, même temps. Bah en fait t'as... je voulais E Darius et la wave en même temps et j'ai raté Darius. C'est... Ça a ouais. Tout changé genre, ouais. J'ai trop d'haine. Mais c'est ok. No joke ça aurait vraiment changé la donne. Mais là c'est bien parce que tu vois t'as ta TP donc on s'en branle. Au pire tu meurs, t'as ta TP et là il doit recall lui, ça change rien. Bah là je vais juste... Là faut que tu pushes tout bro. Là faut que tu pushes tout comme un... Il a plus de ghost, il a utilisé ton flash ou pas? Je crois qu'il a flash, ouais. S'il essaie de te reach, tu le kite hors de la tour, c'est simple. Vas-y, vas-y, tape pas la tour. Va sur la wave direct. S'il essaie de te tuer, il perd ses CS. La wave, faut pas que tu perdes la wave. Voilà, c'est bien, t'as compris là, c'est bien. Là, tu gagnes du temps, tu le kite. Ouais, c'est impossible avec Excarnate. Okay. C'est trop ouais, chiant, ouais. Frère, contre Darius. Ah ouais, bah, putain, c'est un carnet, en fait. Ouais. C'est Doom, non? Pas de rebonheur. On tente jusqu'à la fin. Bah, là, je peux faire gameplay normal et rejouer la lane, par contre. Hein. C'est comme tu veux. Mais bon, c'est beaucoup moins drôle. Bah ouais, gros. Mais évidemment, j'y ai pris goût. C'était marrant. Ah ouais, moi, je vais le faire avec Grace, par contre, tu vois, parce que c'est bon, quoi. Ouais, bah, tu vois, on a... Ouais, ouais, d'accord. Attends, est-ce ouais, qu'il serait pas le moment de... Proxy non, ah, non. C'est le moment, c'est le moment. Non, non, mais on va juste se refaire tuer, en fait. Bah, on tente. Toi, tu veux vraiment que je refasse? Là, si t'arrives à me push ça assez rapidement, là. Faire en sorte que tu le proxy et qu'il ne touche pas à sa wave et que tu sois pas tuable. Là, tu vois, c'est le moment où tu dois prendre ta plate, tu vois. Parce que la wave, enfin, la plate, là, elle est à bout de portée, tu vois ce que je veux dire? Oh. Avec Nocturne, ça pourrait être... Je sais que tu jouais Nocturne aussi. Non, oh, ouais, je peux jouer avec Nocturne, ça pourrait être intéressant. Là, il est en train de prendre sa wave, c'est le moment de prendre la wave. Parfait. Ah mais là tu vois t'as oublié un minion. Ça c'est terrible. Je te jure que ça brise tout hein, de le minion. Ah ouais. Et bien sûr. Il va faire quoi avec son minion? Non il prend rien avec son minion. Tu perds un minion. Et il peut taper la tour en une demi. Ce qu'il ne fait pas. Là ta ward tu la mets dans le petit buisson comme il a fait Zeus. Et là tu le trick, ok? Tu le kite autour du rocher. Ah mais voilà. Tu l'as laissé twitch. Là tu vois t'as merdé dans le sens où il devrait rester derrière le buisson, le rocher tu vois. Ah ouais? Ah oui, c'est ce qu'il fait, The Boss. Il ah le promène, en fait. Ouais, ici et ici. Ok, ouais, ouais, ouais. Ok, make sense. Et il le promène comme sa petite chienne, tu vois. Mais là, avec les bots, ça peut être peut-être mieux. Faut pas proxy en T2 T3. J'ai voulu, mais j'étais trop lent. En vrai, rush bot T2, plus de CDR, plus de dégâts. Bah, indirectement, oui. Oui, oui, indirectement. C'est que des trash tests, on s'en branle. On prend une plate, il est content. Enfin, il veut crever à la loyale, en fait, ce chien, là. Bah, ouais, loyale, hein. Il va juste crever à la loyale, les frérons. Et back. Oui, mon pote, va back. Il a back. Non, j'ai cancel. J'ai cru entendre que tu voulais crever à la loyale, mon pote. Ah ouais, il a l'écro, hein. Il te prend pour un con. Hein. Ah c'est bon, frère, prends ton flash, ah, c'est bon. Voilà, montre-lui un peu. Là. En fait, il me prend trop pour un mec qui sait pas jouer au jeu, alors que je suis juste en train de tester des trucs. Si je joue réglo, je t'explose en lane, gros. Mais là, c'est très bien, parce que là, il est mort à un timing où... Ah, level 9, je crois que c'est bon. Mais bon, ok, tout ce que tu dois savoir, c'est que tu dois l'éviter. Okay. La carte. Donc le kiting autour du rocher, s'il est entre la T1 et T2, tu vas à la T3. S'il va à la T3, tu vas entre la T1 et T2. Ah, je trouve qu'avec les bots T2, tu t'en sors quand même beaucoup mieux. Allez, promenade. Je voulais prendre ma zone, mais j'ai pas le temps cette fois. Non. Prends-la après. Je vais croiser chez Renan. Pas grave, puis la kite avec le phase rush, t'en prends. Bah, tu vois, je trouve qu'avec le. Avec les bots T2, tu pushes plus rapidement. Et c'est l'heure de promener Darius. C'est l'heure de promener ton animal. Je sais pas où ils sont pour l'instant. Okay. De toute façon, la wave va crash. Sa wave crash ce tour. Ah, ouais, il est là. Comment ref, c'est quoi? Ça va le rendre fou.
C'est super bien. Là t'as caté, là c'est bon. Il est là. Là tu peux aller prendre ta zone, ensuite tu peux aller prendre les camps, tu peux aller faire chez Shyvana. Oh, au moins ta zone. Ta zone ça va être super important dans ce genre de gameplay. Hein. Phase rush, objet, la zone. Ah c'est incroyable. Regarde les waves qui perdent. Ah ouais, je vois c'est ça. Très bien. Ah mais... Oh son mère. J'ai trop peur, bro. Il sort tout. Ah, il a perdu tout. Aïe, ah, il a que sauce de rage. La strat n'est pas morte. La strat n'est pas morte. On l'a fait. Attends, mais attends, il a plus que SS. Ok, il a plus que SS. Il est mort. Oh son mère. Oh bordel. Ok, la strat est bonne, ex-carnéen, j'ai rien dit. C'est une question de setup. Si t'as le setup, c'est vraiment Gucci, genre. En fait, je devrais juste faire lancer des games normales et jouer à la classique. Et dès que je vois que le setup est possible, je le fais, tu vois. Ouais. Plutôt que faire ça à toutes les games. L'early, c'est difficile. En fait, je pense qu'à partir de bot T2, tu peux te permettre. Mais avant bot T2, c'est chaud. Mais là, maintenant, c'est fini. Là, tu peux prendre tous les camps. Là c'est fini. C'est la fin de game. Oh, promène-le, là. Oh, oui. C'est trop. J'entends le chenil, le barquis au loin. T'as exactement compris comment jouer là, c'est bon. Tu joues juste en dessous de la T2 parce que tu sais qu'il peut pas te reach. Wow, oh bordel. J'ai mis 21 CS, je suis à 16 minutes, ça arrive jamais dans toute mon existence de Scarner, oh, bro. C'est bon ou pas, genre? C'est bon, t'as gagné, t'as compris. J'ai perdu le god de la tour, c'est vrai que j'ai perdu le god de la tour. Imagine, t'as pas eu une plate et la tour sous cette game. Imagine si tu les avais eu, bro. J'ai pas de plate? Ah ouais, ça. Mais ça, il faut que je joue Demolish. Mais je pense que je joue normal. Je joue juste Demolish en plus. Mais je peux même l'importer à mon. Donc, genre, dès que je vois que le setup est possible, je prends une pink aussi. Et dès que je vois que c'est possible. Bah, la pink, ils vont vouloir la détruire et tu vas leur donner des gold. Zboss a dit que en gros, prendre des pinks c'était low. Je bot du coup? Non, tu vas prendre la T2. Ok. J'ai pas Tommy Ormana, il a pas un item parce qu'il a fait une QSS. Un Darius qui nous saline de cette manière, ça va finir de... Et level 13, tu mets 2 levels. Là, tu prends les golems, là. Dès que t'as ta Muramana, tu back, tu prends ta Muramana et tu refais chier. Enfin, même plus grid pour le raid, parce que Shyvana était both side, mais en vrai... Il a encore seal, ce roi, là. Merci, Nocturne. C'est super notre troisième Drake. Il a seal de Drake. Faut que j'explique ce truc-là, pour les plates. Quand ouais, je suis assez curieux aussi à ce niveau-là. Très simple. Je jure que c'est simple. Et là maintenant tu l'exploses là. Oui tu l'exploses. Mais c'est fini pour lui mon frère. Ouais, dommage qu'il y avait Shyvana top. Ouais mais c'est bien, 1 pour 1 pour 1. Hein. Je fais Hullbreaker. Ouais, le nouveau Skilito va être incroyable. Bah au moins j'ai une arme de plus dans ton arsenal. Ouais. Il y a des timings où c'est possible, c'est lorsque je tue quelqu'un sous tour. J'appelle ça le genjutsu genre. C'est full bounce back. Je push et du coup, bah au lieu de laisser bounce back, bah si j'ai bot, bah je proxy into je prends la pression et tout, tu vois. Oh, The Boss Kid, putain. J'ai juste envie de jouer à League of Legends, non? J'ai envie de lancer plein de games, les refs. Oui, c'est trop drôle. En vrai, ça te donne tellement pas un sentiment de puissance de Zinzino. Ouais, de fou, gros. Sur 16 minutes, mon laner en face est perma-bloqué. En vrai, la zone, par contre, ça te donne un pouvoir de fou. Oh, ils font une hache. Visiblement, ouais. Oh, je crois qu'on lose. Comment? Non. Ah, c'est mort. Ouais, mais t'as une chute dedans de Shyvana. Ouais, mais bon, j'ai un peu merdé là, quand même dans mon gameplay. Oh! Wesh! Ils ont fait Nash du coup? Non? Ils font pas Nash? Eh non, t'as tout arrêté. J'ai un peu bégayé sur move, mais ben. Au pire, tu fais Hullbreaker into Deadman's Plate, je pense. Comme ça, tu cours trop vite, mec. Non, il se clochard dehors. T'as mon troisième item, il a son deuxième. Je lui mets tellement de gold. Je vais bot. Non, après, j'ai tellement envie de prendre cette T2 là. On a toujours pas la T2, moi je veux la T2. Mais ça marche. Wave camp, wave tour. Wave camp, wave tour. Et c'est la soul, donc il va falloir du monde de bot side. Après, est-ce que je viens avec eux ou pas? Bon, c'est plus efficace avec Trinité qu'avec Sunfire par contre, hein. Qu'on se mente pas. Oublie pas les camps avant les. Non, toujours. Avant la tour, c'est les camps? Toujours. Pourquoi? Les gold. Les tours ne respawn pas, les camps si, donc tu cycles les camps du jungle adverse. Réfléchis, sous. Soit suisse ce skill.
tu la one shot, c'est ridicule. Bon bah c'est bon, t'as gagné. Je pense que t'as gagné cette game parce que tu es level 15 et regarde le level des ennemis. 13. Voilà. Pas si t'es pbot. Bon, ils vont crever là. T'en fous. Pas ton problème. Prends la T3. Prends les. Il a encore style. Non, c'est trop. Attends, t'as mis une soul sur 4 styles. Non, 3 styles. 3 styles, un drake normal. Okay, Super Poil est incroyable. Gros honneur à Super Poil. Donne la victoire à Super Poil, il la mérite. Regarde, c'est des PNJ. T'as pas l'impression d'être un silver là? Darius aussi respawn, c'est vrai. Mais Darius, ça date des shutdowns. Deadman's Play, du coup? Ouais. Et après, à la limite, tu peux faire fun, je pense. Fun en. J'aime fun, bien Starek, vu que ça. Skarner a une très grosse BZD de base et. Ouais. J'ai envie de join par contre, hein, parfois. Faut pas te cacher. Bah bon. Non. Bah ouais, je sais, mais il faut pas, mais. J'ai envie de. Ouais, c'est... ouais, oublie. Ferme les yeux, coupe la map en deux. Parce qu'en fait, tu vas beaucoup plus servir à ton équipe en finissant la game là. Prends là par exemple, quand ils font le Nash en 3v2 là, bah là tu TP et tu clash la game, tu vois. Mais avant ça, tu sers à rien. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh le boulot. Ce qui dit boulot. En vrai, ça met bien. Hein. Ah, t'as vu? Mais on est en 13-23, frère. On a tellement pas de lead, je suis en train de tout casser sur la même jour. Juste parce que tu es un héros, mec. Je suis en train de commettre un sin. Je suis en train de grouper avec ma team, c'est pas bon. Thomas, remets-moi sur le chemin, pitié. Faut lire. J'en ai tiré là. De toute façon, tu peux pas les reach, hein. Tu peux pas leur courir dessus, y'a pas de. Hein. De toute façon, dans le champion, voilà. Bon, c'est possible, genre humainement c'est possible de crever contre cette personne là. Là maintenant tu vas top, hein. Je veux voir où t'es mid en train de prendre la prio. Je veux ça en fait. Tu n'es pas Olivier Giroud, tu es Mbappé. Allez, on va prendre ça. Tu es Mbappé et Dembélé, tu n'es pas Giroud. Le centre c'est pas pour toi. On était vraiment wardé. On a 26 minutes, c'est pas horrible, c'est pas ridicule. En vrai ça va, ça se passe mieux que les games d'avant. Bah en vrai je bot et je tente de finir la game non. Non, top. Ouais, mais y'a Nash. Bah justement c'est bien, s'ils viennent sur toi c'est parfait. Qui va te tuer là? Qui va te tuer? Ton but c'est de les promener. N'oublie pas. Ils ont besoin de faire leurs besoins sur toi, bah tu les vas les promener. Ok. Imagine avec conditioning maintenant, t'aurais encore plus de stats. Avec le breaker, ça serait démultiplié. Par contre, faut que ton équipe comprenne que ça sert à rien de fight. Mais ça, c'est pas grave. Ils ont bien fight au mid, bien. Mais tu t'en fous parce que t'as un V9. Là, franchement, tu proc phase rush sur un mec, je pense que tu cours et personne t'atteint. Il fait quoi, Darius là? Pas, mais j'arrive pas à le rattraper. Ah, t'avais des Demon's Play, je pense que tu le rattrapes au bout. Mais il l'a aussi. Oh, t'es impressionnant. Oh, tu es impressionnant. Tu quoi? T'avais dit Starak, non? Ouais, Starak. Oh, c'est l'Elder, j'arrive là. Pourquoi? Faut pas dégueu. L'Elder, oui. Oui, l'Elder, tu vois, j'accepte. Et encore, hein. C'est parce qu'ils ont le Nash. S'ils avaient pas le Nash, t'aurais rush la base, t'aurais gagné. Ou t'arrives à venir en flanque, je pense. Ou tu viennes sur les backline. Là, c'est très bien. Tu comptes à sa position avec Darius, ok. S'il te regarde toi, il regarde pas ta team, hein. N'oublie pas. C'est bien ce que tu fais. C'est exactement ça. Ezreal est pas mort, frère. Oh là là. Quoi? Attends, il est pas mort? Si, c'est mort, enfin. Il était jungle. Oh la Shyvana là. Oh les vilaines. Tu nous plies un classique, hein. Bonjour, c'est moi classique. Ah, cette game, cette victoire, elle est pour toi. Mais là, tu t'en fous, tu go bot et tu finis, je pense. Golder. Mais j'ai pas d'info, Shyvana. Ouais, pas d'info, Shyvana. Ils doivent défendre base. Moi, franchement, j'irais finir la base là. Hein. J'irais finir la base avec tes coéquipiers. Nixer, Marvel, on s'en fout. Au pire, tu prends triple inhib, c'est très bien. Personne va te tuer, de toute façon, toi, t'es un tueur. Ah, wave top qui push. Si ça conteste le. Ok, ça conteste la wave top. C'est notre elder, mesdames et messieurs. Première victoire du OMG. De boss qui. Allez, go inhib là. Toi, tu restes sur le side, Mbappé. T'es le mec qui met des drills en dribble au mec là, en V3 là. Et ta team, c'est eux qui vont marquer, tu vois. Il a dribblé déjà 2 joueurs. N'aie pas peur, hein. Faut te battre, hein. Juste bats-toi là. T'as tellement plus de gold que bro, je te jure que t'es tellement faible. Tu te rends même pas compte, hein, mais je te jure que t'es vraiment un god dans cette game. Il a 2 items, t'en as 5, c'est bon. 2-6. Par contre, on va pas finir la game là-dessus, non? Apparemment, non. On a triple inhib, avec un dash, ça se termine tranquille. Boost off! 10 CS minutes. Dunby, hein, c'est moi Dunby, frère. Hein. Oula.
Oh là là. C'est fine, c'est fine. Oh là là là. Qu'est-ce que mes yeux sont en train de voir là? Pourquoi j'ai groupe? Oui, pourquoi tu groupes? Pas besoin de groupe. Et du coup, on peut pas encore une fois. Mbappé flanque. Lâche, non. Essaye d'oser là, de prendre des 1v1. En fait, là, tu peux trap, prendre des 1v1 comme tu veux. Hein. T'as 6 items, ils en ont que 4, hein, donc vas-y. Hein. Là, la Shyvana, tu la broies en deux. La Shyvana, c'est ta pute. Hein. Oh, le giga shutdown en plus. Ah là, montre-lui bien. Le Rhydon, il a pas le droit de se balader tout seul, tu vois. Tu peux aller reach, t'as le breaker, t'es très tanky, t'es intuable. Ok, une TP de ton Ziggs, OMG. Ah, j'ai vu. C'est toi aussi, hein. C'est ton moment à toi aussi. Hein. Mbappé et Dembélé. Mbappé et Dembélé. Le lâche sécurisé par Olivier Giroud. Incroyable. Mbappé sur le flanc gauche. Tape la tour. Il a la tour. C'est il terminé. C'est un top gun, mesdames et messieurs. Oh bordel. Bon bah écoute, ça finit concluant en finale. Ça fait 3 games quoi. Je sais pas qui joue Nord, frère. J'ai pas vu aucun de mes mates. Je crois que. Non, le super poil. Tu es super, mon pote. Je fais pour la mort. C'est mort.